Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va repenter. Repenter, ça commence bien. On va rempoter mes petites plantes succulentes, cactées et autres que j'ai acquis il y a peu. Et celles que Malvina de World Green sur Insta m'a envoyées. Et ben, c'est parti. Alors, je me suis dit qu'on allait faire comme ça. Coucou les petits poilus. Donc, vous n'allez pas me voir, vous allez voir les plantes, ça sera mieux. Je vais déjà commencer par dépoter toutes les plantes. Non, avant, je vais faire mon substrat. Vous vous souvenez du pont que j'avais gardé de mon Alogasia Eh ben voilà, il va servir. Je vais faire mon substrat. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop, je vais ouvrir mon sac. Je suis allée l'acheter à Gamme Vert. Vous l'avez vu certainement dans ma dernière vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il donne celui-ci? Oh, très aéré, parfait. Il y a du sable déjà dedans. Ouais, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, très contente. Faire mon petit mélange. Alors, j'ai complètement oublié de vous dire, mais la composition, donc c'est le substrat de chez Eclose, et environ un tiers pour deux tiers de terreau, un tiers de pouzzolane pour deux tiers de terreau. Voilà, ça fait à peu près 30% d'éléments drainants, plus le pont. Et ma pouzzolane. Voilà la pouzzolane. Peu pour rajouter du drainage. Voilà, bon, ça devrait le faire quand même. C'est rigolo, la pouzzolane elle se fond dans le. Voilà, donc mon substrat est prêt. Et ben, il n'y a plus qu'à. Alors, déjà, je vais prendre les petits pots. Est-ce qu'ils vont être. Alors, j'ai pas de tout petits pots en terre cuite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre celui-là, je vais virer ce qu'il y a dans celui-là. Ça, c'est ma petite boîte vide pour mettre mon vieux terreau. Alors, je vais pousser cette boîte de substrat. Voilà. Là, vous voyez la plante. Elle cherchait absolument. En fait, elle a créé des espèces de racines aériennes parce que la place dans le pot ne lui suffisait plus. J'essaie d'enlever un maximum de terreau. Bon, elle est pas mal hein, parce qu'elle a bien poussé quand même. Hein. Je vais pas trop 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 l'embêter. Ça, on est d'accord, c'était beaucoup trop grand. Ça servira pour autre chose. Thank you.
place. Je vais soulever ça, qu'on puisse bien voir. Donc là, il y a mon petit arbre de jade. Je n'ai plus son nom en tête, mais je vous le remettrai en bas de l'écran. Tout le monde a été passé en substrat à caqueter, ce qui n'était pas le cas. Et quelques-uns ont eu le privilège d'être mis en poterre cuite. Et au fur et à mesure, j'irai m'acheter les poterres cuites, parce que mine de rien, c'est un budget. J'irai voir un autre. Il y en a un qui est caché là-bas, c'est celui de Malvina, que Malvina m'a envoyé. Il y a plein de petits bébés. Oh, ma petite bûchette. J'ai trop hâte que tu fleurisses. Elle en a deux, elle. Voilà. Voilà, voilà. Elle, petit aparté, est toujours en fleurs. J'ai perdu aucune fleur. Elle est incroyable. Depuis décembre. Hein. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 7 février. Et je l'ai depuis le 2 décembre, je crois. Quand je l'ai achetée, elle n'était absolument pas en fleurs. Pour rappel, je l'ai achetée 3,95€ à Leclerc. Et elle est en sphaigne. Oui, oui. Eh ben, j'attends la fin de la floraison, hein. Il n'y en a pas trop. Pas du tout. C'est très très épuré, je trouve. Coucou. Alors là, normalement, vous avez vu tout mon rempotage. C'est pas du tout flatteur, cette prise de vue. Tout mon rempotage, sauf que il s'est passé des choses. Donc là, je suis désolée, la lumière, elle est pas ouf parce qu'il est tard. Mais j'aurais pas du tout le temps de filmer ces jours-ci. Donc, je vais vous les montrer, les nouvelles kikinettes, parce qu'il y a des nouvelles kikinettes. Encore. Et j'ai du coup acheté des potères cuites. Bah ouais. Mais franchement, quand vous allez savoir le prix, vous allez me dire, ouais, ok, ouais. Non, mais oui, t'as raison. Et je refais tomber la pouzzolane. Alors le premier, c'est un petit euphorbobessa qu'il va falloir que je nettoie, j'enlève le calcaire, etc. On voit qu'il est un petit peu déshydraté, mais il a l'air d'avoir de magnifiques petites... Bon, je ne sais pas si on peut dire des variégations, mais en tout cas, il a des dessins incroyables, je le trouve très très beau. Il est tout minus, focus, il est tout minus, il coûtait 3€. J'allais pas le laisser se déshydrater comme ça. Et une fois que j'ai terminé le montage, forcément, j'ai Karen de la chaîne Vie de Plante sur Instagram qui me donne plein de conseils sur les euphorbobessa parce qu'elle adore les euphorbobessa et qu'elle gère très très bien. Du coup, il faut que je recommence tout. Il faut que je le remette dans plus petit. J'ai pas de poster cuite trop petit, mais c'est pas grave, je le mettrai dans du plastique. Et vu qu'après, je vais le mettre en extérieur, il va falloir que... Elle m'a conseillé d'acheter du sable de rivière parce que la pouzzolane, ça attire la chaleur, etc. Donc, c'est pas top du tout. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave, on recommencera. Et celle-là, donc je l'ai mise en potère cuite, je l'ai pas arrosée, hein, c'est l'humidité de ma cuisine. Pietaya, c'est, vous savez, la plante qui donne les fruits du dragon. On voit bien, il y en a qui ont été cassés. Elle n'était pas très en forme, et celle-là, elle était à 3€ aussi, je crois. Je sais plus très bien. Mais je la trouve très mignonne comme plante. Je voulais m'en faire pousser. J'ai essayé. Hein, j'ai acheté un... C'est quoi ça? C'est de la perlite. Tout va bien. J'ai vu ce petit point blanc. Je me suis dit, non, une cochenille, je ne l'avais pas vue. Mais non, non, c'est de la perlite. Magnifique. Toute mignonne. Bon, là, j'ai acheté un fruit du dragon pour faire pousser. Ça va pas pousser. Voilà. J'ai peut-être... Enfin, c'est même pas peut-être. Je sais que je me suis pas bien pris. Je réessaierai. Franchement, je réessaierai et je le ferai en vidéo pour que vous puissiez voir. Mais voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Bon, il y a eu beaucoup d'accélérés parce que j'avais pas grand chose à dire pendant le rempotage, ni même pendant l'installation, mais j'espère que ça vous a plu de voir tout ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si c'est pas encore le cas. J'en vois plein qui regardent, qui viennent re-regarder, mais qui s'abonnent pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire sur celle que vous avez préférée, si vous faites différemment ou pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite une... vu l'heure qu'il est, bonne fin de soirée. Et puis à plus.